Cette femme, elle dégoûte tout le monde parce qu'elle a révélé qu'elle gagne plus de 12 000 euros par semaine en vendant sa sueur. Et ça donne vraiment la nausée. Hein. C'est une influenceuse britannique qui s'appelle Alexia Grace, qui compte actuellement plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Elle a dégoûté les spectateurs en révélant qu'elle gagne une somme astronomique chaque semaine en vendant sa sueur. Oui, t'as bien entendu sa sueur. Alexia, elle est connue pour la boxe dans l'émission Miss Fist créée par le youtubeur KSI. Alexia était auparavant barista pendant le confinement, mais elle s'est lassée de son emploi et qui a un salaire plutôt minimum et elle s'est tournée vers la création de contenu hein, sur les sites pour adultes. Après un entraînement intensif, elle essore ses vêtements trempés de sueur et utilise une seringue pour médicaments pour bébé pour aspirer sa sueur. C'est ainsi qu'elle collecte ses propres fioles de sueur pour ses clients fidèles et payants. Elle a expliqué qu'elle était au chômage partiel pendant le confinement lié au Covid, pour lequel elle était mal payée et que pendant la boxe, quelqu'un a voulu acheter son protège-tête en sueur. Il l'a ensuite présenté au groupe Reddit et à partir de là, des demandes ont afflué. Finalement, elle a commencé à gagner plus de 12 000 euros par semaine. Alexia a ajouté que dans son domaine d'activité, on devient assez désensibilisé à ce genre de choses. Ce que quelqu'un ne trouve pas normal est probablement pour elle, l'est probablement pour elle. Elle a avoué que le prix dépend de la rapidité avec laquelle quelqu'un veut une fiole. S'ils ne sont pas pressés, elle en vend pour 180 euros. Elle a également ajouté qu'elle a un client qui a dépensé 48 000 euros en 1 an et demi pour elle, après avoir demandé des sous-vêtements qu'elle porte après les entraînements. Dans quel monde vit-on? Dis-moi en commentaire.